Bonjour et bienvenue pour ce cinquième rendez-vous Scrap Enfant où je vous propose de réaliser une boîte sans colle pour vos tables de Pâques. Alors, en attendant que vous arriviez, je vais vérifier que tout fonctionne bien en termes d'image et de son sur Facebook. Alors, le son et l'image fonctionnent, c'est super. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mes enfants comme d'habitude. Faites un petit coucou. Voilà, Justine, petit coucou. Voilà, donc avec moi, j'ai Rémi qui a 11 ans et Justine qui a 7 ans, bientôt 8. Et donc, ils vont réaliser avec moi les petites boîtes de Pâques qu'on pourra mettre sur notre table de fête dans 10 jours maintenant. Bonjour Catherine, bienvenue. Alors je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle Roth, je pratique le scrapbooking depuis 2005 et je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up depuis 2017. Et donc je vous propose de découvrir les produits de cette marque et des idées de projets autour du scrapbooking lors de vidéos tutoriels comme aujourd'hui ou habituellement le mardi à 14h. Bienvenue, bonjour Fabienne. Alors je vous propose donc de basculer mon téléphone pour que vous voyez mon bureau, comme ça je vais pouvoir vous montrer le projet qu'on va faire et vous représenter le kit d'avril que vous pouvez réserver encore jusqu'à ce soir. Alors coucou Sylvie, ah, je suis ravie que mon envoi de pack t'ait plu. Hop, les enfants voient aussi ton message, donc voilà. Coucou Laurence, coucou Catherine, c'est super. Alors, je propose chaque mois des kits mensuels, du coup, chaque mois. Hein. Et donc, j'ai pensé celui du mois d'avril où on peut le faire assez facilement avec des enfants à quatre mains. Et donc, c'est une boîte à explosion, mais du coup, avec trois boîtes en une. Donc, du coup, on ouvre de la plus grande, la moyenne et la petite. Donc, voilà, de quoi mettre de nombreuses photos, de s'amuser avec la déco. Et on a donc même un petit espace au milieu pour offrir un petit cadeau si on souhaite offrir l'album à quelqu'un de notre entourage. Donc c'est un projet que je propose en kit où vous avez tout le matériel, les papiers pour réaliser la boîte, etc. Il vous faut votre petit matériel de base, de quoi couper et coller le papier et donc faire vos décos. Et donc vous avez le choix entre 6 collections de papiers différentes pour réaliser ce projet. Et il est à 15 ou 17 euros selon les collections de papier imprimé. Donc si jamais ce kit vous intéresse, vous avez encore jusqu'à ce soir pour le réserver parce que je passe commande demain pour les kits. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon blog zabellecreation.com pour retrouver les informations sur ce kit et le formulaire de réservation. Aujourd'hui, merci Justine, nous allons réaliser cette petite boîte. Coucou Chantal, merci Magali. Donc cette petite boîte, c'est une petite boîte alors sans colle, presque sans colle, parce qu'il faut quand même qu'on colle notre petit tube qui maintient la boîte fermée. Mais ici, voilà, la boîte ici, c'est seulement du pliage qui fait que ça se maintient fermé. Moi j'ai mis des tout petits œufs Kinder, mais elle est assez grande pour mettre des plus grands œufs hein, selon de différentes marques. Je ne fais pas forcément de pub pour Kinder, c'est ceux que j'avais sous la main. Donc voilà, petite boîte à réaliser assez rapidement, vous allez voir. Et après, on peut s'amuser avec la déco. Donc ici, j'ai utilisé mon petit lapin que j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé la collection de papier Balade Champêtre pour cette boîte, où je trouve que le thème, les couleurs, on se retrouve bien avec le printemps, avec Pâques, avec le vert, le rose, etc. Donc du coup, voilà, j'ai utilisé donc ce papier imprimé ici pour fermer ma boîte. Et mon petit lapin, hop, il porte bien son nom, c'est le lot Lapin de Pâques, avec donc des tampons de 3 lapins différents. Vous avez le Joyeuse Pâques, des petits œufs, une petite couronne de fleurs. Et donc vous avez la perforatrice
qui permet donc de découper ce lapin. Et pour les autres, du coup, ce sont des lapins où il faudra les découper du coup au ciseau ou sur un rond ou un carré, par exemple, sans avoir à le détourer, ça marche aussi. Merci Fabienne. Merci Sylvie. Ouais, le lapin comme ça avec la perfo, c'est super pratique. Alors, on a déjà un petit peu préparé des petites choses avec les enfants. On a déjà donc coupé notre papier cartonné, donc qui fait 14 sur 14 cm. Ça, je vous l'ai mis sur le blog et je vous le remettrai ce soir dans l'article. Il vous faut un papier imprimé qui fait 9 sur 12,8. J'ai fait une petite décoration avec un ruban ici pour ajouter un petit peu de matière, pas rester que sur le papier. Donc j'ai ajouté un petit ruban. Donc c'est le ruban de polyester doux qui est en pétale rose, qui est vraiment très très doux. Il est très résistant, il ne se déforme pas et il est du super doux. Il porte vraiment bien son nom. Et donc j'ai déjà aussi fait mon petit lapin. Avec donc mon encre noire Memento pour le tamponnage. Et donc après, j'ai utilisé les feutres à alcool pour le coloriser. Donc j'ai le pétale rose pour son oreille, ivoire pour son ventre. Et après, j'ai fait avec deux couleurs, le SU500 et le SU300 pour faire mon dégradé de couleur pour ce petit lapin. Voilà. Alors, la perfo lapin, je ne voudrais pas dire de bêtises, de mémoire, elle est à 22 €. 22 ou 23 euros, il faudrait vérifier. Et malheureusement, actuellement, elle n'est pas disponible. Elle devrait revenir courant avril. Mais là, pour le moment, j'avais prévu de vous montrer ça depuis un petit moment. Et je... avec les stocks, là, malheureusement, ça tombe mal. Mais les tampons, par contre, sont disponibles. Coucou Cécile! Alors, voilà un petit peu pour les produits que on va utiliser. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre boîte. Bon, pour ça... Ben oui, hélas, Catherine, malheureusement, là, faut attendre. Pas trop le choix. On va commencer par faire les plis dans notre papier uni. Donc, notre papier uni mesure 14 sur 14 cm. Et on va faire au départ des plis à 2,5 cm de chaque côté. Donc c'est un carré, donc on ne se pose pas de questions sur l'orientation. On fait un premier pli à 2,5. Regarde ici. Tu vois ici, tu as le 2, le grand trait à 2,5. Ok. Donc 2,5 d'un côté. On tourne complètement notre papier. Et on fait 2,5 de l'autre. Ouais, c'est bien, Justine. Donc ça, voilà, c'est mes 2,5 de chaque côté. Et après, on va faire des plis dans l'autre sens. Donc on a nos deux premiers plis qui vont être ici à l'horizontale. On va faire un premier pli à 3 cm. Voilà, donc Rémi, voilà, 3 cm. Il faut bien que tu te mettes, voilà, à la butée, hein, Justine, pour que ton papier soit bien d'équerre. Voilà. Après, à 5,5. Non, pas à 6, parce qu'on va avoir des bandes de 3 et de 2,5 cm. Donc, 5,5. Là, on a notre bande de 2,5. Après, on passe à 8,5. On a une bande de 3 cm. Donc 8,5. Là, tu as 7,5, Justine. Voilà. Et après, à 11, on a de nouveau une bande de 2,5. À 11 ou à 11,5? À 11, pas à 11,5. Merci Fabienne. Bah, c'est une histoire de petit coup de main. Je vous referai un petit live une fois pour vous présenter les comment bien utiliser les feutres à alcool. Donc Catherine, c'est avec des feutres à alcool de chez Stampin' Up qui s'appellent des Stampin' Blends. Tu vois, comme ceci. Où du coup, on a deux pointes. On a une pointe assez fine.
Voilà, j'espère qu'on voit à peu près bien. Ouais, on voit bien. Comme ça. Et de l'autre côté, une pointe un peu plus feutre, un peu plus épaisse pour les plus grandes surfaces. Donc du coup, on a des couleurs dans les couleurs neutres comme ça. Et puis aussi pour les 50... Enfin, pas tout à fait. Pour presque toutes les couleurs du catalogue, il y a certaines couleurs qui ne sont pas en feutre à alcool. Mais du coup, moi j'adore parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de traces de coloriage comme avec les feutres à l'eau. On arrive à faire des jolis fondus. Après, on prend ça ? Alors non, on va d'abord finir notre boîte avant de passer. Alors ensuite, si on reprend notre petite boîte, donc ici on va avoir besoin de tracer des diagonales de certains carrés pour pouvoir bien plier notre boîte. Donc on va marquer les plis ici. Donc quand vous mettez votre papier, vous avez vos deux bandes de 2,5 qui sont en haut et en bas. Vous allez tracer des diagonales dans le deuxième en partant de la gauche. Dans ce sens ici. Donc près. C'est lequel ? Le plus petit, c'est celui-là. En partant ici du haut vers le bas. Alors je vous ai fait un schéma que vous retrouverez sur mon blog dès ce soir pour bien voir les traits. Donc j'essaye de me rapprocher. Donc voilà, l'idée c'est que autour de cette partie centrale, on va avoir un trait qui part vers la gauche et un qui part vers la droite. Et on fait exactement la même chose en dessous, t'as tout compris Justine. Ça va être symétrique tout ça. Donc avec un plioir ou si vous avez un outil pour tracer les traits dans l'autre sens mon doudou. Mmh. Comme ça, c'est pas grave. Tu vois? Et puis dans ce sens là. Vas-y. On dirait une croix. Rami, bah oui, du coup, comme tu t'es trompé d'un côté. Et Rami, c'est tout bon? Ah, je ne vous ai pas montré du coup. Rémi, lui, il le fait en feuillage sauvage, sa boîte, avec ce papier-là, le même que le modèle que j'avais fait. Moi, je le fais en macaron et Justine, elle le refait en sorbet sucré, mais avec le papier-là. Donc, du coup, on aura toutes des versions différentes de couleurs en papier cartonné et en papier uni. Et en papier imprimé, pardon. Et Rémi, voilà, a déjà préparé son lapin. Il veut que je vous le montre. Donc ça, c'est le lapin multicolore de Rémi. Et Justine a fait un petit lapin aussi avec des taches. Ils avaient envie tous les deux de faire des petites taches à leur lapin. Ce qui rendra vraiment toutes les boîtes différentes. Bonjour Catherine. Donc voilà, nous avons ici donc nos 5 colonnes, nos 2 bandes. Et ici, on a tracé donc des petites diagonales dans nos 4 carrés. Donc les 4 carrés qui font 2,5 sur 2,5, on trace les diagonales dans ce sens-là. Et après, on peut marquer les plis. Plioir ou avec ça ? Non, avec ton plioir. C'est ce qui va permettre que la boîte va bien être en forme, c'est de bien marquer nos plis pour qu'ils soient bien d'équerre. Voilà. Donc ici, donc voilà, on marque bien tous nos plis de la même façon. On marque aussi les deux plis de 2,5. Voilà. Et alors, pour marquer les plis qui sont en diagonale, du coup, on va, hein, le papier, du coup, avec le pli, il est déjà prêt à prendre sa position. Donc, du coup, on va l'appuyer comme ceci. Comme ça? Attends. Comme ça? Attends, parce que là, t'es pas sur le pli, mon cœur. Tu vois, il faut que ce soit comme ça. Tu viennes là et après, tu marques. Comme dans les origamis. Oui, comme dans les origamis, on marque des plis. Donc voilà, l'idée, hein, c'est de marquer les deux plis comme ceci. C'est lequel, c'est lui? Alors, toi, du coup, c'est celui-là. Voilà, vas-y, je te laisse bien appuyer ton pli. Donc voilà, comme le pli est marqué, quand vous commencez à redresser le papier, en fait, il va tout de suite prendre l'orientation du pli. Comme ça, il est bien mis? Oui, il est bien comme ça.
Ah bah super Rémi, t'as déjà monté la boîte toi, tu traînes pas. Comment ça tient même sans le papier? Normalement oui, ça tient sans le papier. Et donc voilà, après, une fois donc que les plis sont marqués, comme ceci, hop, juste en venant refermer la boîte, voilà, notre boîte tient. On a le même principe avec celle-ci et avec celle de Rémi et avec celle de Justine. Voilà, on a déjà nos quatre bases de boîtes qui sont prêtes. Moi, c'est celle-là. Merci Fabienne. Ils ont dit, Fabienne dit que vous avez une belle idée de coloriage. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi vos taches. Ça change un petit peu de nos lapins souvent unis. Oui Sylvie, j'ai de la chance qu'ils soient bien motivés. Puis alors en ce moment, on travaille les midis sur les décodes Pâques. En ce moment, je vous montrerai ça sur le blog. On fait des petits lapins, on va faire des pompons, on va faire pas mal de petites choses. Alors, Justine, récupère ta boîte. Donc là, on va faire maintenant notre papier imprimé, qu'on va là aussi plier pour former un petit tube. Donc, le papier imprimé, il va donc être vertical. Alors ici, ça ne se voit pas forcément beaucoup sur mon motif, mais il faut que ce soit un papier vertical qui fait 9 sur 12,8. Et donc dans les 12,8, on va faire 4 plis, donc à 3,2. À 5,9. À 9,1, non, dans l'autre sens, mon doudou. C'est pas grave, c'est des plis, ça se voit pas. Alors, 3,2, le premier. Vas-y, fais 3,2, on va reprendre ensemble. Après, 5,9. Et 11,8. Il nous reste juste une petite bande ici de 1 cm qui va nous servir à fermer notre tube. Donc après, on va marquer nos plis, toujours dans le même sens. Et après, on colle. Et après, on va coller. Après, on va pouvoir venir coller comme ça sur notre petite languette de 1 cm. Donc, on met la colle sur la languette. Oui. Colle ou colle double face selon ce qu'on a. Voilà. Et donc là, hop, on vient fermer notre tube comme ceci. Ah, et là, comment ça, ça tient pas? Attends. Si ça va être... Déjà, c'est plus facile de coller comme ça. J'ai fait une erreur. T'as fait une erreur, Rémi? J'ai mis de la colle du mauvais côté. T'as mis de la colle du mauvais côté. Oui. Comment ça? Ah, elle est là? Oui. Ben non, regarde. Hop. C'est parce que tu as plié du mauvais côté, regarde. Ah, si tu fais ça, ben oui, si on veut voir les petits cœurs. Voilà. Et donc toi, maintenant, ça doit passer. Non, faut le mettre dans l'autre sens. Oh. Bon, maintenant, là, ça doit passer. Ouais, attends. Hop, voilà. Oui. Voilà. Et donc, Rémi, avec les petits cœurs, comme celui-ci. Voilà. Donc maintenant... C'est plutôt comme ça. Voilà. Maintenant, on va donc... Alors, j'avais prévu une petite déco avec le ruban. Hop. Donc, pour faire ma petite, mon petit montage avec le ruban, on va avoir besoin... Oui, Justine, et tu sais que tout à l'heure, ils m'ont dit... Non, mais je disais que j'étais fatiguée. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave, on peut faire le live à ta place, maman. Donc, ils étaient prêts à faire tout seul le projet. Hein, il n'y avait pas de souci. Donc, je mets un petit peu de scotch double face à une extrémité du ruban.
C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, recoupe-le en deux peut-être, s'il te plaît. Tu viens mettre dessus comme ça l'autre extrémité du ruban, comme si je voulais former un petit bracelet. C'est forcément bon pour faire des bracelets. On pourrait faire des bracelets, ouais, mais je pense que ça tiendrait pas assez comme ça. Faudrait plutôt faire un point de couture. Et donc, une fois que j'ai fait comme ça mon petit montage, à l'endroit où il y a la jonction ici, je remets un petit peu de double face à l'intérieur et je viens écraser au milieu. Comme ça, ça tient un peu en presque 8. Hop. Voilà. Et là, il faut que tu remettes un petit peu de double face. Maintenant, ton deuxième petit bout, tu vois, tu vas le réutiliser tout de suite. Tu le mets là. Là. Voilà. Tu enlèves l'opercule. Et donc après, je vais venir le fixer sur ma boîte. Donc vous pouvez mettre le double face soit sur le ruban, soit sur la boîte. C'est vrai qu'en étant sur le ruban, vous êtes sûr de le mettre au bon endroit. Ouais, c'est vrai ça. Merci Justine. Et voilà, je vais le mettre comme ça au-dessus de ma boîte et je vais pouvoir venir coller mon lapin par-dessus. Et pour éviter qu'il y ait une... Comme mon ruban, il est un petit peu épais ici, il y a des rubans qui sont plus fins, mais celui-là, c'est vrai qu'il est un petit peu épais. Je vais venir coller mon lapin avec de la mousse 3D. Comme ça, on n'aura pas de différence de hauteur entre le lapin et au-dessus et à côté du ruban. Alors, je vais juste positionner mes mousses 3D pour qu'elles ne soient pas sur le ruban, mais qu'elles soient quand même sur la boîte. Voilà. Donc voilà. Alors, Justine, c'est bon? Donc voilà Justine ce que ça donne ici avec son ruban. Bien. Un petit peu plus haut. Voilà. Rémi, c'est bon? Ça passe. Ben voilà, t'as plus qu'à coller. Alors hop, je vais mettre mes petits chocolats dans cette boîte du coup. Maman, tu veux que je t'aide, Justine? Oui, parce qu'en fait, il est trop avancé. C'est pas grave. Mais non, regarde, ça gêne pas. Attends, si tu veux, on leur décale un petit peu. Hein. Mmh. En scrap, on bricole, on ajuste. Et il n'y a jamais d'erreur. Hop! Donc voilà, nos petites boîtes. Version verte. Version rouge, version cœur, version fleur. On a plusieurs types. Merci Fabienne. Donc du coup voilà, on a notre petite déco qui se prépare pour notre table de Pâques. Et du coup je trouve que c'est sympa parce qu'elles sont toutes différentes, mais dans les mêmes tonalités, les mêmes collections de papier, mais elles ont chacune un petit truc différent. Donc c'est chouette. Donc bah voilà, un petit projet que vous pouvez réaliser facilement en famille ou même, il n'y a pas de souci, hein, je l'appelle un rendez-vous scrap enfant parce que je les trouve accessibles aux enfants, mais tout le monde peut bien sûr réaliser ces petits projets. Et donc, pour vos tables de Pâques ou même pour offrir des fois un petit rouge à lèvres, des choses comme ça, hein, des petits formats, ça passe bien. Donc du coup... Là, c'était l'occasion de Pâques où on les a faites, mais ça peut servir à offrir d'autres petits présents à tout moment de l'année. Donc, voilà une idée de réalisation. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me les montrer. Je suis toujours ravie de voir vos créations, de voir votre interprétation. Et puis, si vous voulez partager cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi. Ça me permettra de me faire connaître et puis de faire partager à d'autres personnes le plaisir de scraper. Voilà. Ah bah merci pour vos gentils messages. Super Cécile, toi t'as fait un oasis d'orchidée, ça m'étonne pas. Je sais que t'aimes bien cette couleur. Donc voilà. Et bah merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain rendez-vous scrap où nous réaliserons un sac cette fois.
Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. À bientôt. À au revoir. Tu dis au revoir, Rémi. Au revoir. Merci, au revoir.